Vous êtes sur RTL. Votre mère aussi est un personnage, Jacqueline. Jacqueline. elle écoute. Ma mère, elle est comme toutes les mamans un peu culpabilisatrice. Voilà, c'est ça. Et quand je l'appelle, elle change de voix par rapport à. Quand c'est moi qui l'appelle, elle a cette voix, elle fait ça va, elle se plaint. Oui. Mais c'est comme ça. Et pour qu'elle arrête de se plaindre, je lui dis que je suis malade. Et là, elle fait ah, très bien. Elle retrouve son rôle de mère. C'est assez rigolo. Ah oui, c'est drôle. Ouais. Et par contre, elle s'en sort pas vraiment bien avec les réseaux sociaux, je crois. Elle est abonnée sur Instagram, je suis son seul abonné et elle a mis, ne tapez pas Jacqueline Manélian sur Instagram, elle a mis un pseudo parce qu'elle veut pas qu'on la retrouve. Mais qui te cherche? Mais c'est ma mère, ça. Oui, c'est terrible. Non mais c'est drôle parce que elle voulait faire des stories. Tu sais, les trucs. Mais je lui dis, il n'y a que moi qui te suis. Dis-moi directement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Arrête de faire des stories. Et je me suis moqué d'elle, elle m'a bloqué. Et c'est vrai que. Elle a plus d'amis. C'est vrai que quand elle n'est pas bien, elle appelle Michel Drucker pour avoir. Alors, j'ai eu un message de Michel Drucker, il nous écoute. Oui. Et on l'embrasse. On embrasse Michel Drucker. S'il nous entend, il faut parler fort. Mais. je déconne, Michel Drucker. Elle semble dire. Alors, comment elle a eu le numéro de Drucker? J'en sais rien, elle a dû fouiller. Et dès qu'elle a un problème, à l'œil, à l'oreille, elle appelle Michel pour avoir un spécialiste. Eh oui. Et Michel, très gentil, lui répond dans l'instant, appelez ce professeur de ma part. Il a tous les contacts, Michel Drucker. Bah oui, c'est drôle, mais tout le monde n'a pas une famille aussi amusante que la vôtre. J'ai une chance, moi, et ça, en fait, je me suis aperçu de ça. À la fin, quand j'ai fini d'écrire le spectacle, et je vais continuer à écrire, c'est que je me suis aperçu que ma famille est géniale, en fait.